Collier, retournez à votre place. Allons, retournez à vos places, tous tant que vous êtes. Allons, oui, monsieur. Vous allez employer cette heure à écrire une narration sur le livre qu'on vous a donné à lire pendant vos vacances. C'était le roman de Fenimore Cooper, Le Corsaire Rouge. Si vous avez quelques difficultés, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, monsieur. Monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? On peut écrire au crayon, monsieur. Bien sûr que non, grand idiot. Qui est idiot? Silence! Silence! Cessez immédiatement! Cessez le silence, monsieur. Monsieur, qui était le mari de Jeanne d'Arc, monsieur? Elle n'avait pas de mari. Vous savez certainement comment on la surnommait. Non, monsieur. Comment, monsieur? Eh bien, on l'appelait la puce... Enfin, on l'appelait la... Ça va bien. Oh, je vous en prie, monsieur. Dites-le nous, monsieur. Continuez votre travail. Monsieur, qui était Cadix? Qui était Cadix? Qui était Cadix? Cadix est une grande ville d'Espagne. Bien sûr, grand âne. N'est-ce pas que c'est un âne, monsieur? Ne l'écoutez pas, monsieur. Je peux lui botter le derrière, monsieur? Silence, vous prie, silence. J'espère que vous allez continuer votre travail. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais on peut écrire au crayon, monsieur. Servez-vous de ce que vous voudrez, mais je vous en supplie, continuez votre travail. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Comment s'écrit Armada? L'un de vous peut-il renseigner ce garçon? Oui, monsieur. A-M-A-R-D-A. Mais non, mais non, voyez. A-M-A-R-D-A! A-M-A-R-D-A! Que signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Que se passe-t-il, monsieur Chipin? Je suis navré, monsieur. Je crains fort de... Il y aura exactement 18 ans à la fin de ce trimestre que j'ai eu l'occasion de fouetter toute la classe de 7e. Les jeunes messieurs de cette époque n'avaient certes pas volé leur châtiment. Je crois pouvoir en dire autant de vous. Vous vous présenterez tous dans mon bureau demain après-midi par ordre alphabétique à intervalle de 3 minutes à partir de 3 heures. Je crois pouvoir vous assurer que je n'ai rien perdu de ma vigueur. Je pense que vous feriez mieux de venir me parler après la prière. Oui, monsieur. Notre...